Freud, qui se définissait lui-même comme un juif infidèle, a réactivé une critique des religions centrée sur la figure du père, tout en continuant à s'affirmer juif. Lacan, lui, pouvait à la fois énoncer que la religion catholique était la seule religion vraie, tout en prônant un athéisme viable. Il nous laisse devant l'aporie de considérer l'autre, le grand autre avec une majuscule, comme l'adresse ultime de la langue, tout en affirmant que ce grand autre n'existe pas. Le Père, ou plus précisément le nom du Père de la prière, ne désigne pas cet autre, mais la condition de sa réduction pour le sujet séparé et aliéné, ce à quoi échappe le psychotique. L'hypothèse de cet essai est que Dieu, et plus précisément le Dieu des Juifs, est le nom de cet autre qui n'a pas besoin d'exister pour constituer l'horizon de la parole. Elle suit les traces d'un déisme qui traverse le judaïsme, au moins depuis l'idée kabbalistique d'un retrait de Dieu nécessaire à la création, laissant l'homme devant la responsabilité entière du monde, jusqu'au déploiement depuis la fin du XVIIIe siècle, moins d'un athéisme juif que d'un déisme juif, dont Spinoza aurait marqué l'origine moderne. Depuis Mendelssohn, nombre de figures illustreraient ce qu'on peut évoquer comme une rectification juive, dont seulement quelques-unes sont évoquées dans ce livre. Cette idée d'un déisme juif ne permet pas seulement de relancer la question du rapport entre la psychanalyse et le judaïsme, mais rencontre aussi des préoccupations contemporaines au moment d'un retour du religieux sous des formes intégristes, associées à une désillusion de l'athéisme et de ses dérives totalitaires. Ainsi de la difficulté de définir la laïcité, l'une des valeurs essentielles qui fondent notre lien social. Reconnaître la fonction psychique et culturelle de Dieu, la limitation qu'il suppose d'un idéal de toute puissance de l'humain, celui rêvé par le transhumanisme, où l'homme prendrait la place de Dieu et la science celle de la religion. Un Dieu détaché de la forme religieuse, d'une orthopraxie, et surtout d'une promesse de salut, un Dieu sans providence, mais inscrit au creux de chaque tradition, est sans doute la condition pour que la laïcité retrouve une vigueur en acceptant de ne pas être singulière et universelle, mais l'idée que chaque tradition puisse fonder sa propre laïcité. Les psychanalystes sont certes une adresse de cette prise de position personnelle d'abord, mais il en est bien d'autres, juifs ou non, qui peuvent y être intéressés. Si cet essai s'intitule « Manifeste », c'est qu'il propose un engagement philosophique et pratique, voire spirituel, du sujet parlant dans son rapport à l'absolu, à l'altérité, à l'impossible. Ce rapport qui oriente la pensée a rencontré un obstacle radical avec l'événement de la Shoah. Alors que Elie Wiesel pouvait poser la question « Peut-on croire en Dieu après Auschwitz ?», il s'agit de faire valoir, au lieu de l'autre, un Dieu paradoxal, à la fois immanent et en retrait de l'existence, un Dieu qui n'a besoin ni de la croyance ni d'une incarnation pour inscrire l'adresse ultime de la parole, du sujet dans son rapport aux autres et de l'existence humaine.